Alpha Légion. Écoutez-moi. D'abord, nous percerons les défenses extérieures ici. Ensuite, nous formerons un camp de base. Faisons vite! À l'attaque! Nous sommes attaqués! Guerriers de feu, tenez vos positions! Il faut les retenir le plus longtemps possible! Grand Dieu Khorn! Le sang versé ici t'appartient! Donne-nous notre place forte! Donne-nous notre force! Donne-nous la victoire! Vous voyez, nos dieux nous ont entendus! Ils nous accordent de la puissance! Ils terrifient l'ennemi! La mort va frapper et le sang va couler! Nous devons trouver l'emplacement de cette brèche! Envoyez des éclaireurs! Qu'ils examinent chaque brèche possible et rendent compte sur le champ! Il partit immédiatement! Cibleur déployé et pas de nouvelles! D'où venait leur dernier compte-rendu? Commandeur, ils sont tous passés par le secteur drone rouge. Alors, c'est là que nous devrions envoyer nos forces. La puissance de cette attaque surprise me préoccupe, commandeur. Dites-moi, quand pouvons-nous espérer l'arrivée de la flotte de renfort qui suivait mon vaisseau? Très sage. Comme vous le savez, la tempête Warp nous a privés de nos moyens de navigation normaux. La flotte est guidée par trois balises depuis Nanyanoï. Tant que ces trois balises fonctionneront, elle progressera vite. Tant mieux. Je crains que nous n'ayons besoin de ces troupes supplémentaires. La défense orbitale a été activée et amorcée, et est maintenant prêt à faire feu. Nous pouvons viser l'ennemi? Oui, commandeur Oreska. Mais tous les systèmes de refroidissement ne sont pas actifs, et le canon surchauffera s'il tire trop souvent. Eh bien, tirez aussi souvent que le permet la sécurité. Nous devons les contenir jusqu'à l'arrivée de notre flotte de renfort. Ils tentent de prendre les commandes des défenses orbitales. Il faut à tout prix les arrêter. Défense orbitale prête au tir. Commandeur, ils ont pris le contrôle de notre système de défense orbitale. Ils utilisent ces moyens contre nous. Il faut les reprendre. Veillez-y. Ils ont détruit une des balises de guidage. Ah, c'est fâcheux. Mais avec la puissance des deux balises restantes, la flotte ne devrait pas être retardée de beaucoup. Commandeur, une autre balise de guidage a été détruite. C'est un grave revers. Suivre une seule balise de guidage sera excessivement difficile. La flotte n'arrivera pas si tôt. Les trois balises sont détruites. Commandeur, tout espoir est-il perdu? Nous ne recevrons pas de renfort. Sans signal. La flotte doit rebrousser chemin. Nous devrons vaincre l'ennemi seul. Caste de l'air! L'ennemi est proche de nous! Nous demandons votre aide. C'est notre dernière chance. Attaquez les coordonnées que j'envoie et ne vous abstenez de tirer pour aucun motif. Coordonnées reçues. Début d'attaque immédiate. Ne laissez pas la proie s'enfuir! Avale ce tir de plasma! Honorir! Noble et terré! Oh, nous vous avons perdu! Nous n'avons plus rien! Absolument pas préparé à la fureur avec laquelle les forces du Chaos attaquèrent leur base lunaire de Nanyanoï. Sans connaissance innée du Warp et sans psycheur dans leur rang, les Taux ne pouvaient avoir conscience des nombreux pouvoirs qui faisaient de l'Alpha Légion un adversaire aussi redoutable. Les tortures et cérémonies répugnantes imposées aux malheureux Taux n'ayant pas eu la chance de périr au combat furent indescriptibles. Dans les heures qui suivirent la prise de Nanyanoï, la base fut inondée du sang de ses défenseurs, et la dépouille de leur éthéré vénéré fut hissée sur le tube du canon Arca, le seul élément de la base Tau que le seigneur Charon se refusa à profaner.